Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Technomancer, dit Technomancer. Donc, nous avions fait quelques petites quêtes encore une fois dans le dernier épisode, on fait que ça de toute façon, on fait que des quêtes, hein, on fait que des grosses quêtes. Bref, alors, voici ce qu'il nous reste précisément. En compagnie de ces quêtes, sachant qu'il y en a une qui est entre guillemets accomplie pour le moment, l'autre qui ne le sera jamais. Voilà. Attendre de savoir où patient est emmené, bah pour l'instant ça ne se trigger pas bizarrement. Sous la menace, attendre que les technomans aient repéré les espions infiltrés, ça ne se trigger pas pour le moment non plus. Faire son rapport à Dandolo, donc ça on va le faire tout de suite. Et faire son rapport à Dandolo, on va le faire tout de suite. Sachant que ces deux quêtes sont particulière, vous allez comprendre pourquoi. Je pense qu'en fait ce sont véritablement deux quêtes d'histoire qui doivent se compléter l'une l'autre, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en faisant celle-là plus l'autre, on va avoir débloqué d'autres choses. Donc je pense vraiment qu'on est au point déterminant parce que je ne veux absolument pas faire la mission d'Evorie là, il faut que je donne le truc. Donc j'espère que ça va trigger les autres quêtes. Déjà est-ce que les autres sont arrivés? Non, ils sont pas rentrés. Et donc on va aller directement voir Dandolo. Hop. Bon, sinon j'espère que cette série vous plaît, j'ai déjà quelques idées qui arrivent pour la suite, comme pour la suite de South Park. En l'occurrence, il me fait chier à faire ça. En l'occurrence, un jeu d'horreur, qui est assez connu maintenant, mais bon. Certains d'entre vous réclament des jeux d'horreur depuis très 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 longtemps. Du coup, je me dis qu'il faudrait peut-être temps que j'en fasse un. Les Voriens infiltrés. Oui. Je suis allé le voir, tout ça, tout ça. That is an enormous weight off my chest, Zachariah. Voilà, et la contrebande. Alors, en l'occurrence, le jeu en question, c'est... Oh merde. Oh merde. Je l'avais il y a 10 secondes. Attendez, donnez-moi juste une seconde. Non, ce sera pas dans mes jeux, du coup, ce sera dans le magasin. Ah! Je me sens con. Ah! Amnésia, oui voilà, simplement, je suis con. Amnésia, je sais pas pourquoi j'avais pensé à autre chose. Donc lequel, on verra bien, hein, mais... Si vous avez à me conseiller dans les commentaires, je serais ravi. All the caravans sent to Ophir have already returned. Strange. Knew we couldn't hide forever. We could try, but... On a réussi à bloquer les Vorées, mais pas la SC. Knew the ASC snakes would slither in at some point. Hop. Thank you for the heads up. T'as plus de batterie là-dedans. I'll be sure to send a little something to my client in thanks, too. Am I missing something? I just told you the ASCs found their way into Noctis with a stolen caravan, and you don't even seem to care. Non, ça c'est un problème de cara design. Il n'a aucune animation faciale. S'il n'est pas affecté, c'est normal. Hein. Il est comme ça, c'est ce genre d'homme. Il y a un coffre. C'est ça, en fait. Vous voyez, il voit que des opportunités dans tout. D'accord. They've likely come down to the city in order to fence their spoils. They haven't. This makes me doubt that the thieves are free agents. Perhaps they're working under someone else's interests. But I'd like to have more than a suspicion, and I'd like it to stop. Set up a counter-ambush, catch the looters red-handed, make them talk. Got a more specific plan? Been hatching one. You hide among the merchandise on board one of the caravans, belonging to a merchant I fully trust. When the attack hits, then I head back, get as rough as I need to until they tell us who's sending them and who their mole and Noctis is. I'll think about it. Ok, alors j'aime pas du tout cette espèce de quête à la con là, parce que ça fait clairement genre bah on va te planquer dans un truc et tu vas te faire attaquer et des pillards, oui parce que ce sera forcément des pillards, on vient te prendre. Alors je vous rappelle qu'on a laissé dans la ville. Que ça le dérange pas plus que ça, bizarrement. Et il veut donc que je me fasse passer pour de la marchandise.
Et en fait, à mon avis, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire passer pour une marchandise réelle, c'est-à-dire qu'en fait, il y a quelqu'un qui va venir m'assommer et il va me donner à la SC. Merci, il va me vendre directement. Ah, on a une quête ici. Bon. Purposely seeding unrest in the population, and maybe pushing for an uprising. Then we need to stop it. Here's a description of everyone we found. Give me a map. There. I've marked every place you can find them. Bon. On va avoir quelques kills à faire, j'imagine. Éliminer les espions infiltrés. En voilà une bonne idée. C'est parti. Hop. Je pense qu'on mérite de tous les supprimer. Oh non, me dis pas que toi tu en es un. Ah non, c'est bon. Oula. Ah oui, ils sont... Oh, wow, 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 on se calme, monsieur l'arbitre. Aïe. Ils sont nombreux en plus, évidemment, ouais. Hop. Bouffé. Ça fait mal. Boum. 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 Voilà. Là, j'ai éliminé qu'un seul espion. Tiens, hop, prends ça. Je fouille. Je fouille. Ça en fait deux. Bon, apparemment les autres, j'ai pas le droit de les fouiller. Crac. Quincaillerie. Bah écoute, je prends. Bon, ça fait un groupe. S'ils sont chauds comme ça, ça va être rigolo. Qu'est-ce qu'on a par là? Du coup, attendez. On a un point à mettre ici, que je pourrais mettre à peu près n'importe où. Ah, ça pourrait être intéressant là-dedans aussi, hein. Que je vais garder ce point. Là, on a un point à mettre aussi, c'est parfait. Alors, normalement ici, il y a quelque chose. Acquérir la compétence tornade. C'est bon, ça. On va pouvoir mettre à la place du bouclier qu'on n'utilise pas, de toute façon, hein. Hop, voilà. Et on y va. Bon. Hey, yo, yo, yo. Salut les filles. Ah, je me suis fait arrêter en plein milieu. C'est pas valuable. Hop, les. Qui a survécu? Que je me pique. Boum. Non mais oh, tu vas te calmer toi. Ok, je préfère ça. Il y a du monde en haut aussi, mince. Faut qu'on recule. Et yop, yop. Peut-être qu'il y aura des trucs dedans. Enfin, dedans. Est-ce qu'il y a des choses dans ces hommes et ces femmes? C'est plus facile de fouiller les femmes, enfin c'est plus agréable. Bon, lui il a quelque chose. Ou elle? Elle. Elle, clairement elle. Pistolet stabilisé, veste de mercenaire, d'accord. Je prends tout ça, je t'ai enlevé tes vêtements, je suis désolé. J'espère que c'était uniquement ce que tu avais dans ta poche. Ah bah voilà, voilà pourquoi il faut que je sorte le truc. Est-ce vraiment plus rapide? Apparemment oui, hein. Apparemment oui. Hop, allons-y. Et rond, petit patapon. Hop. Allez. Oh la vache, c'était cool à regarder, mais masse dégâts que je me prends entre temps. Hein. Hop. Eh oui, tu ne peux pas bloquer la magie. C'est la magie de Disney. Oui, c'était avec l'ami du dessin de Lisa, c'est rigolo, mais c'est d'une tristesse. On va arrêter ça, je pense. Hein. Le dessin de Lisa, c'est pas la chanson qu'il faut chanter. Oh, je regarde Grimm et je suis content, c'est la première fois que je regardais Grimm, je regarde sur Netflix et j'aime bien. C'est pas mal Grimm. Je suis sur le cul, j'admets être sur le cul. Bon, en voilà d'autres. Ah merde, c'en était pas un lui. Aïe. Aïe. Et tu tombes. Dans les escaliers, tombe! Il tombe dans les escaliers!
Voilà, il est mort. Bon, ça c'est fait. On va tous les fouiller. Ils sont tous habillés différemment. C'était bien fait, hein. On sent que c'est d'un autre niveau que les mecs des Vori quand même, hein. Là, c'est des vrais espions, quoi. Ok, un petit peu de sérum. Une masse, si. Intéressant. Comparé à ce que j'ai, c'est mieux, c'est moins bien. Ah bah c'est ce que j'ai actuellement. D'accord, mais je l'ai pas amélioré. Faudra que je pense à améliorer tout ça. Et en donner une à Amelia. Ok. D'ailleurs, on va peut-être le faire tout de suite. Amelia. Hop. Prends ça. Au niveau du bouclier d'acier renforcé. Je donne ça déjà. Ce sera bien mieux. Au niveau de ton torse, veste de mercenaire. Ouais, c'est moche quand même, ça te va pas. Veste d'espion de l'SC, ouais, elle est pas tip top. Bon, bon, on reviendra là-dessus une autre fois. Ce n'est pas grave, bon. Est-ce qu'on ferait pas mieux de passer par le truc là-bas et... Là, il y a un mec ici, je préfère ne pas lui parler. Wow! Ah d'accord, je l'avais pas vu, vous. Hop. Ok. Boum. Bon bah eux ils étaient juste à côté, donc c'est pas très très grave. On fouille. Du sérum. J'aimerais cependant, ouais, supprimer 2-3 petites choses peut-être. Couteau serre par exemple, ça là j'en ai pas besoin. Marteau de fer, du coup j'en ai plus besoin. Tube de fer non plus. Bâton à bobine renforcée non plus. Ok. Pistolet robuste non. Gants de maître non plus. Bon déjà ça, on va avoir gagné en place. Oui, nous avons gagné en place, parfait. Alors où sont les derniers? Ah bah il doit être par là. Oh, il m'a tout arrêté le sac. Oh la vache. Le coup du poison qui fait bien mal. Oh mais merde. Et il me coince dans un... Ils ont des serpettes. Ça fait mal. Il y en a encore d'autres derrière. Joli. Tombe. Hop. Voilà, quand c'est la Stranger. Hop les... Aïe. Ah. Et ils sont balèzes. What? What the fuck? Alors il y en a un qui me tire des balles monstrueuses. Ah ouais, carrément. Ah, faites pas les choses à moitié. Ok. Ok, non mais c'est comme ça que vous voulez. Ok. Oui, je connais la pose active, merci monsieur l'arbitre. Ok, bon. Merde, c'est pas eux. Merde. Vous allez me lâcher, bande de nazes. Raté. Boum. Aïe. Hop. Oh mais non. Mais vous avez vu ça? Ouf. Hop. Voilà. T'es mort. Bon. F5. Sauvegarde rapide non autorisée. D'accord. Merci. L'autre chose. Non, non, tu n'as pas le droit de sauvegarder. Tu vas mourir, c'est tout. What? Ok. Bon, on y va. Ça va chier quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. On mettrait bien un point en constitution. Je me tâte.
Honnêtement, je me tâte. Ok, yo les filles, yo les filles. Je vous trouve, marteau. Hop, raté. Boum. Oh, j'ai esquivé pourtant. Vous aussi, je vous ai eu. Parfait. Allez, viens-y. Raté. Aïe. Oh, mais tain, c'est lui qui me fait vachement mal. Il y en a un qui est pas du même niveau que les autres, mais alors qu'il fait une quantité de dégâts. Ah, mais ça fait mal. J'ai peur qu'il ne me tire dessus. Mais vous planquez pas. Et ils ont tous régène. Et pas nous. Vive la régène. Hop. Aïe. T'as regardé les dégâts qu'il me fait, lui. Hop. J'ai même plus de trucs de régène. Hop, allez, meurs. Merde, j'ai plus rien. Alors. Raté. Meurs. Meurs. Putain. Ils sont d'une difficulté, c'est incroyable. Regardez le nombre d'injections de soins que je me suis mis dans le nez, quoi. Ça va me coûter la peau du cul. Mais alors littéralement, hein, la peau du cul. Machette, carrément. Ok. Par des points en agilité, moi. Là, je sens que je vais devoir taper un peu plus. Eh B. À se demander si je suis pas habillé à poil, quoi, limite, hein, même si je suis pas à poil. Allez, viens. Ah merde, c'est lesquels qui m'ont agressé? C'est eux. Hop. Ok, on les a tous eus. Ah non, il reste encore lui là-bas. Ah, il se fait taper par Phobos aussi. Merci Phobos. Toujours sympa. Cet homme est d'une gentillesse incroyable. Merci Phobos, c'est vraiment c'est vraiment sympa de ta part. Franchement, là c'est le truc auquel on s'attend pas dans un jeu, vous voyez. Bouclier d'officier à lame. Oh putain. Alors là, je veux voir ce que c'est, moi. Oh, oh putain, il est beau. Ah, le mien est mieux, mais il est beau, hein. Faut vraiment que je l'améliore. Ok, et le dernier groupe, F5. Voilà. Hop, bouf. C'est comme dans The Witcher, il y a un sort comme ça qui est juste complètement OP. Ah, vas-y, frappe. Voilà. 5 sur 6, il m'en manque donc un. Un groupe d'ennemis. Mais avant, faut que je refasse le vide. Littéralement. Hop. Hop. Bon là par exemple tout est inutilisable. Cependant je peux virer la faucille et le couteau serpe parce que les autres sont mieux. 4 et 5 agilité, c'est, on a vu un 5. Wouh. Ça aurait été compliqué, hein. Hop, allez. On va péter la tronche au dernier. Hop. Qui sont normalement de l'autre côté. Voilà, au niveau des escaliers là-bas. Oh, ce chien, le chien du voisin. Ok.
Non. Tu me laisses. Hop. Ouf, bouffe, bouffe. C'est bon. Ouh. Ils sont d'une difficulté sans nom. Honnêtement, hein. C'est pas ce que je voulais faire. Je l'ai soigné alors que je voulais. Hop. Ok, il va falloir que je passe chez un marchand en acheter plein d'injections de soins. Je pense que ce sera mieux. Ok. Eh ben. Tiens, bah, il y en a un juste en dessous de marchand. On va y aller, on va aller le voir. Et on va lâcher les injections parce que là, ça ne va pas. Là, je suis malade, là, littéralement. Hein. Comment est-ce qu'ils peuvent me faire aussi mal, quoi? Puis d'un seul coup, quoi, c'est ça le truc. Fais voir tes marchandises, tes potions. On va en acheter une trentaine. Hop, tant pis, c'est énorme, je sais, mais... Regardez ça. Hop. C'est fait. Voilà, je me suis refait de l'argent sur tout ça. Ok, bon, 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 bon. On va aller voir Dandalo, là, Dadanlo, enfin, machin. Le prince trou du cul. Tiens, d'ailleurs, Hey, hey back. Non, non, je ne veux pas te parler à toi, je veux parler à Amelia, que j'aime bien. Qui est couillue. Moi, je lui parle parce que, justement, elle aime pas, elle a rien à dire à propos du prince. Elle aime pas le prince et du coup, moi, ça me plaît. Ça me plaît qu'elle aime pas le prince. Soyons honnêtes. C'est bien mieux comme ça. Hop, allons-y. Il va peut-être pas lancer les armements dans... Tous rentrer, c'est bien. Dans le château, entre guillemets, du prince. Hop. Allons-y. Ok. Qu'est-ce qui se passe? The ASC's not only in Noctis, but they're starting to threaten its safety. Mm-hmm. I know you did what you could to get rid of their spies, but if you stay here, they'll come back. And now we may be open to a direct attack from Abundance. If you stay here, they will I'm come sorry, back. Zachariah. They're after you and your friends. I can't risk the safety of all my people for just you. Hmm. So you're turning your back on us? No, on a fait no. tout son bordel. I would never turn my back on a friend. I set a meeting for you with the technomancers from Aurora. Their arms are open. You'll be safer from Victor with them by your side. You just can't stay here. Why are you helping me? A scratch on the back for what I hope will be a long-term relationship, Mr. Mancer. Il me vit encore, hein. One of their shadow paths. Take the map. You'll be well received. Now get going. As soon as you can gather your things and friends together, the longer you stay, the more danger those of us around you face. Ouais, c'est parce qu'il va nous vendre. Wasn't easy, but we have agents in all of the corporation cities. The equivalent of Nisha, but not as easy on the eyes, lives in Shadowlair. It was our point on this little mission. Habitants, their technomancers are quite knowledgeable, powerful, and I assume the idea of having one of their counterparts from Abundance join them. And give them a little upper hand. Donc ça veut dire que je risque de perdre mon grade de grand maître. But their chief's name, it's slipping my mind. Profanity? No, something more. Chastity, promiscuity, generosity. Yeah, that's the one. Their chief's named Generosity, I think. He's quite chummy with the Dowser Wisdom, I hear. Shouldn't be too hard for him to make you feel welcome. Oui, oui, mais j'aime pas ça. C'est trop beau pour être vrai, déjà de base. Mais bon. Mais bon, mais bon. Va te faire voir. Va te faire voir. Alors. Du coup, maintenant qu'on en est là, on va avoir plein de quêtes, j'imagine. What? Ah, il la voilà. D'accord, bon, on va bien voir, hein. On va bien voir.
Et bah écoutez chers amis, du coup on va cesser là pour cet épisode je pense. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, ne passe pas le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'invite encore une fois à commenter vis-à-vis du jeu donc Amnesia. Lequel souhaiteriez-vous voir sur la chaîne, lequel souhaiteriez-vous me voir jouer, et lequel donc du coup souhaiteriez-vous qu'il me fasse peur. Voilà, tout simplement, parce qu'en fait autant je peux regarder un film d'horreur parce que c'est un film, autant jouer à un jeu, apparemment c'est un jeu en première personne, je pense que ça va me faire flipper. Ça n'est pas arrivé très souvent de jouer à ce genre de jeu là, donc bon, on verra bien. Donc voilà, encore une fois, merci les amis d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Venus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens, et yop.